Salut chers tous, une fois de plus, Sergent Doudi, et bienvenue pour cette session de vidéo au cours de laquelle nous allons répondre aux préoccupations de nos abonnés sur notre chaîne YouTube. Préoccupations concernant l'installation de bibliothèques Revit dans la version Revit 2024. Alors, avant, il suffisait d'aller sur Google, de saisir Free Download Revit Content, aller dans le lien qui se présente, par exemple Out Download Revit Content. Je vais choisir la version Revit. Donc, je prends par exemple Revit 2022 et j'avais toute une liste de contents que je pouvais avoir. Je peux télécharger, prendre la version FR, donc la bibliothèque française. Alors, dans la version 2024, la nouveauté, c'est qu'il faudrait aller dans son compte Autodesk. Vous devez vous connecter. En me connectant dans mon compte, je vais aller justement au niveau de mes produits et services. Je vais voir toutes les licences que j'ai à ma disposition. Sur base de licences que j'ai à ma disposition, je vais aller justement chercher Revit plus bas. Je la Revit. Je vais cliquer sur afficher les détails. Sur afficher les détails, un peu plus bas, j'ai les extensions Revit que j'ai à ma disposition, que je peux directement télécharger. J'ai également Bibliothèque Revit. Alors, sur Bibliothèque Revit, j'ai les French et je vais venir cliquer sur télécharger. Donc, logiquement, je vais attendre un moment et je verrai plus bas ici, les téléchargements s'est lancé. Je peux faire de même pour les extensions. Selon que je veux les extensions que je cherche, je peux avoir Robot Structural Analysis Extension for Revit. C'est 3 mégas. Je vais cliquer sur télécharger. Et il va se lancer. Outils d'interopérabilité Tools Model Checker. Je peux les récupérer, l'installer également. Bref, je peux lancer tous ces éléments et les installer directement. Alors, c'était une fois de plus, Sergent Toudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.